Musique, l'annuaire des opérateurs africains enfin disponible. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, judging, chill, like speaking Chinese. Artistes, promoteurs, salles de concert, événements, éditeurs, studios d'enregistrement, distributeurs, écoles de musique, managers, médias, tous les acteurs du secteur de la musique africaine sont enfin référencés dans un annuaire unique. Cette vaste initiative est due à la Foundation Music in Africa, basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'accès est gratuit sur le site www.musicinafrica.net. Environ 2000 profils sont déjà disponibles en français et en anglais. Les pays représentés pour le moment sont le Sénégal, le Nigeria, le Kenya, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. La fondation Music in Africa espère atteindre rapidement la plupart des pays africains. Classement Forbes, top 10 des artistes les plus riches. Akon, P-Square, Mr. Maybe. First of all, you're the type of woman that stays on my mind. Walk down the street, every guy wanna jump on your behind. It's your seduction that makes sure that we stay in line. Il est de rigueur, en fin d'année, de procéder à la révélation de nombreux classements, dont le magazine Forbes est sans doute devenu l'institution. UBiz News vous propose donc de découvrir le top 10 des artistes africains les plus riches de la musique urbaine, selon Forbes, et d'après des données recueillies par la chaîne musicale basée en Afrique du Sud, Channel O. À la première place trône l'artiste américano-sénégalais Akon, fondateur de Convict Music et coproducteur de nombreux artistes comme Lady Gaga, P-Square ou encore Wizkid. À la deuxième place se trouve Don Jay-Z, considéré comme le plus grand producteur nigérian ayant travaillé avec des artistes tels que Kanye West, Beyoncé ou encore Jay-Z. À la troisième place, nous retrouvons le célèbre P-Square, que le magazine Forbes décrit comme le meilleur groupe de musique africaine et groupe affichant le plus grand nombre de concerts sur le continent. Classé quatrième, l'artiste nigérian D'Benj, qui multiplie les contrats les plus juteux avec des majors comme Mercure ou encore Sony. À la cinquième place, on retrouve un autre artiste nigérian. Il s'agit de Wizkid, devenu ambassadeur de Pepsi en Afrique et de la marque de téléphonie MTN. Classé sixième, Too Faced Idibia. Ses ventes se chiffrent en millions. Il est aussi ambassadeur des Nations Unies pour la jeunesse et la paix, associé avec Guinness et la marque de téléphonie Airtel. À la septième position, Anselmo Ralph, le chanteur angolais. Il est également ambassadeur de Coca-Cola et de la marque Samsung. Il possède sa propre ligne de parfums et une marque de vêtements. Pour la suite de ce classement, c'est l'artiste ghanéen Sarkodie que l'on retrouve à la huitième place. Il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs du pays. À la 9e et 10e place, deux artistes nigériens se distinguent. Il s'agit de Ice Prince et de Banky, qui tous deux multiplient les contrats avec les plus grandes marques du pays. La rédaction de UBiz News salue la publication de ce classement, même si elle s'étonne qu'un artiste tel que Youssou N'Dour n'apparaisse pas dans ce palmarès, qui distingue les artistes les plus puissants du continent. Affaire à suivre. Take it slow.